Et salam le monde, oui les frérots, le clip Attends, Attends en featuring avec le frérot Tev est enfin disponible sur ma chaîne HPP Music, les gars. Allez vous abonner pour aller mater ce clip si ce n'est pas fait et surtout allez lâcher un maximum de likes. Le son Attends, Attends est bien sûr disponible sur toutes les plateformes de stream. Merci les frérots pour la support, on est ensemble et je vous fais la bise et bien sûr, bonne vidéo. Et salam le monde, ça Gamebob aussi, j'espère que vous allez bien. Et nouvelle vidéo réaction album. Oui parce que Échelon volume 2 est de sortie. Donc Échelon c'est quoi? Le label en fait qui est tenu par Vald. Et où il y a voilà, pas mal de petits artistes on va dire. Mais il y a eu Échelon volume 1 qui était sorti au mois de novembre. Et c'est vrai que j'avais déjà assez bien apprécié hein, ce projet, que j'avais quand même pas mal écouté. Bon j'avoue que voilà, les sons il y a Vald. J'ai survalidé évidemment, notamment le clip Gotaga. Quoi qu'on joue, alors qu'on travaille comme Gotaga. C'est nous les nouveaux millionnaires comme Gotaga. Et donc là, pareil, on est reparti. Du coup, les gars, on est sur une tracklist de 10 sons avec 2 sons où il y a Vald. Et après, on retrouvera bien sûr Sirius, Suikon Blazadé. Enfin voilà, il y a encore les entre guillemets les mêmes artistes hein, que pratiquement que dans le volume 1. Mais il va y avoir encore pas mal de découvertes parce qu'il y a des noms limites que je connais même pas encore. Donc je pense que ça, c'est bien. C'est bien là d'écouter un peu de nouvelles choses au lieu de tourner très vite en rond. Donc comme d'habitude, tu likes un maximum, tu t'abonnes en activant cette cloche parce que sinon je vais m'énerver. Ouais, maintenant ça y est, je m'énerve. Voilà, il y a plus de... Ouais. Et du coup, ce premier son, c'est Échelon 2. Voilà, c'est un son de Vald en solo. Échelon 2, bitch, on développe, on suit aucun d'elle. Capsule temporelle, c'est le futur sur chaque échelon tape. Je l'ai vu les stores, ils ont besoin de lumière, d'aucune autre aide. Pourquoi t'attends que ça pète les scores pour venir s'essuyer vintage une oreille? Quand je prends le micro, c'est plat le sang. Des envies d'homicide, l'attente. Je prends pas mes comprimés, j'attends. Je suis dans le complot, je suis pas dans Nathan Fernand. Je peux pas raconter mon vécu de voyou de la caillée. À l'époque de nos grands frères, c'était pas bien vu de racailler. Non, non, je voudrais pas pervertir les jeunes. Pour certains, je suis un modèle, peut-être qu'ils répliqueraient mes erreurs. The Voice et le bac pour faire plaisir à la famille. J'ai assez de cash, mais je continue pour la famille. J'envoie 3 minutes sans refrain, je dis que c'est ça le single. Je fais pas le pas de danse, on dirait Mr. Beat. Même rempli, j'ai encore la dalle comme un étudiant. Je sais pas qui t'a promis que tu pourrais nous faire, mais c'était du vent. C'est l'heure des comptes, t'essaies encore de gagner du temps. 20-21 quand des êtres humains restent encore de s'échapper du camp. Bientôt mon prochain solo, bientôt ma 10e sortie. J'étais moi-même plus le chrono, j'ai coffré pile avant Covid. En bon vivant, je suis que mort au tard comme Charles Baudelaire. Si je levais le pan encore là, c'est le tremblement de terre. Ah ouais. Eh ben, on commence bien. Échelon 2, donc du coup, qui est le premier son de cette tracklist de bah Échelon volume 2, hein, le nom de ce projet. Donc voilà, un son Vald est en solo. Franchement, Vald est très fort dans ce type de son. Dans ce type de son sans refrain, dans ce type de son un peu sombre, un peu mélancolique. Là, ça me fait penser un peu à Journal Perso, volume 1 et volume 2. C'est vraiment, voilà, dans ce délire-là, un peu, il te fait réfléchir, il te sort... En plus, je kiffe, parce qu'à chaque fois, il te sort une petite punch qui te fait réfléchir, une autre punch qui fait waouh putain, ah ouais c'est chaud tu vois. Il est très très fort bien sûr dans l'écriture, même si il y en a beaucoup qui ont encore du mal à capter l'écriture de Vald, parce que c'est vrai que c'est une écriture très très particulière. Il a son univers, il a son délire, et moi voilà, j'ai kiffé le délire qu'il a apporté dans le rap français. Voilà, je suis quand même je vais pas dire un fan, mais j'aime beaucoup quand même Vald. Pour un premier son là dans un projet, on rentre quand même dans un univers assez sombre et tout. Je sais pas comment cette tracklist a été faite, s'ils ont vraiment fait attention dans l'enchaînement des sons et tout. Mais là, ouais, j'espère on va pas rester trop dans la sombritude quand même. Allez, deuxième son, c'est HS. Bon, j'espère qu'il sera pas HS quand même, hein. Alors du coup, c'est Charles BDL, Rafa, Leonidas qui sont sur ce son. Bah, les gars, hein. Le rap m'a lobotomisé, pas de propolis, et je ne produirai jamais de propolis. Si Shibukai et ce crocodile caucasien besoin de coloniser. Si Shibukai est mort, je vis des lumières comme l'ombre, je dicte l'heure comme l'ombre. Je suis celui qui fallait détruire et CQF des chars des hécatons. Je suis du Bora qui marque ou du régaton. On est chez Adidas, vous chez Decathlon. C'est le char donc appelle-moi pas Guillaume. Peu proche que je lance, je vous chaquillonne. Airball. Rebond, j'atterris dans Airpod. Headshot, headshot. Je prends ta bitch et je sais la headshot, ils ont vraiment un délire de mouf. Une fois j'ai char à bloc, je retranscris le perte en l'ins. Puis je te rappelle à l'heure, n'oublie pas que je suis le tasse. On se crée une air propre et puis joujou plus tard. En DM, guide touristique, m'invite. Et je sais pas, elles ont quoi, les ex de mes potes, elles me textent. Dragon noir aux yeux rouges, veux pas manger au crous. Il peut changer tes goûts. Si quand tu calmes, on peut te faire redevenir bon. Mais comme je t'ai aussi tout, je serai quand même des sous. J'ai bien aimé la mes copains, mec,
Lui, il a un peu un délire à la Georgia c'est Caballero, lui, là, comme on l'a posé, là. Y'a pas d'adversaire, c'est easy. Je démonte les prods de Zizi. C'est pour ça qu'elles veulent toute mon zizi. Avec le casque de Magneto, et pro, joue la sonate, prends sur le sonar. Les novices jouent la zone. L'enfer, c'est moi, pas les autres. Tu parles mal et tu sautes. On fait la course contre Sonic. Mojo fait fondre les solides. Personne ne sèche les larmes du soleil. Un jeune qui vient d'en bas vise le sommet. Oh! Du coup, HS qui veut dire headshot. Franchement, un bon petit son, surtout une très très grosse prod. C'est une prod super lourde, un peu trapisée. Hein. Pas la bonne vieille trappe et tout, mais il y a un peu de trappe là-dedans. Et là, on le ressent, là. C'est vraiment l'univers Vald qui a encore frappé. Voilà, c'est un projet qui s'appelle Echelon. Donc, comme j'ai dit, c'est le label de Vald. Et tu vois que les artistes sont dans le délire de Vald. Dans le sens où, rien que t'écoutes les punch qu'il y a dedans, la thématique du son et tout, t'as l'impression que Vald aussi a posé, tu vois. Après, Vald, il apporte un autre. Bon, bref, t'as capté que je kiffais trop Vald. Mais non, franchement, là, plus sérieusement, ce son-là, voilà, c'est un son délire. Pas des sons. Franchement, les gars, moi, je vous dis la vérité. Là, c'est pas le type de projet que tu vas écouter premier degré, que tu vas écouter, les lyrics, tout ça. Bon, ça va être toujours des punchlines assez rigolotes en général. Pour revenir à ce son HS, non, franchement, en plus, ce qui est, voilà, le petit bémol du coup, c'est que, voilà, ils ont été trois à poser, hein, si je me trompe pas. Et on ressent aucune différence. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres et tout. Alors bien sûr, ils ont tous une voix différente et tout, donc on les remarque. Mais je veux dire, il n'y en a pas un qui a bouffé les autres, parce que les trois sont vraiment dans le même délire, dans le même univers. Et c'est pas plus mal au final. Hein. Voilà, donc en fait, c'est pas un si gros bémol que ça. Bon bref, la prod nous a laissé un peu dans le côté sombre. Mais après, le côté texte et punch... Voilà, on est dans du sombre, mais on rigole un peu. Et du coup, on va enchaîner avec le troisième son qui s'appelle Comme Prévu avec Suicon Blazadé. Et on est parti, quoi. Y'en a encore sur le plexus et dans la tête. Bien normal, t'enculé sans âme, frappe à la porte. Derrière le Judas, tu peux voir la lèche. J'fais des balances pendant que les traits très différents s'accordent. Tellement d'eau, c'est les boys, et si peu d'attache. Faut ramener du liquide, si tu veux pas qu'on te liquide. Artistiquement fini, tu ne vends même pas un streaming. J'parle de là comme c'est prédit, j'parle pas comme c'est délit. Tout se passe comme prévu, non, j'attends la bébé. C'est déjà trop tard si tu veux te remettre en scène. Il faut de la maille si tu veux qu'on s'aime. C'est qu'il faut que ta masse bébé si tu veux qu'on s'aime. Allez vas-y nique ta mère, contente-toi de remplir la paperasse avant que je t'insulte. C'est pas toi sur le disque, alors blague, tu vas prendre ta gifle si tu pars mal. Tu veux qu'on s'aligne, mais tu rates toi. Avec tes thèmes de merde, espèce de tête de pitre, retourne à ton tépis sur le matelas, j'ai autre chose à faire que la cœur. Artistiquement fini, tu ne vaux même pas un streaming. Pas besoin de devenir maniaque ou de se prendre la tête. Car en vrai, je rêve comme un rat. J'parle de là comme c'est prédit, j'parle pas comme c'est télé. Tout un son de prévu. J'aime. Ah ouais, non, franchement. J'ai limite, là je suis même frustré qu'il n'y ait pas un autre refrain. Alors comme prévu de Suicon Blazadé, non franchement j'aime bien. Là pour l'instant en plus c'est le son, on est qu'au troisième son. Mais là c'est le son le plus mélo pour le moment. Et bien autotuné tout ça, mais j'ai déjà écouté Suicon Blazadé, je m'en rappelle, hein, qui était déjà aussi bien sûr dans Echelon volume 1. Et j'avais bien aimé son qui s'appelait Echelon Musique d'ailleurs. Et c'est bon, voilà, comme je l'ai dit là pendant l'écoute les gars, c'est vrai que... Il y a le délire Vald, hein, vraiment. Franchement, il a apporté vraiment un truc. Et du coup, bah tout le monde prend le petit flow, prend la thématique. Donc c'est normal que la patte Vald soit là. Hein. Mais bah, c'est vrai qu'on l'a un peu ressenti. Mais sinon, bon, il a quand même sa personnalité ce week-end. Avec sa manière de poser, la top line aussi. J'ai vraiment kiffé ce refrain. Ce refrain en deux flows différents. Et voilà, bon après, c'est vrai que niveau punch, c'est pas non plus le son pour l'instant auquel j'ai le plus réagi niveau punch. Suicon Blazadé, moi je le trouve très très bon, très très fort dans la mélo. A voir dans le futur, pourquoi pas, s'il sort un petit projet quoi. On enchaîne avec Virus Wifi de Sirius. Alors pas de Sirius Black, voilà pour les fans de Harry Potter. Allez ensemble. J'avais posté bien loin dans ma go pour le wifi. J'en balance des malwares sur le réseau Virus Wifi. Frère, je marche sur ton flow, Jesus Christ type. Sirius al sky, donc Sirius al sky. Mais voilà, il a un délire de ouf lui. J'brûle un cierge au mausolée. Pour mourir, y'a pas d'âge. Toute une vie muselée. Sous oui sur Instagram. On dirait pas genre Swagman qui a bien évolué. Que le
fais-moi, non, fais-moi au moins un sandwich au piment d'Espelette. Je prépare cette trip depuis des semaines. Vraiment désolé, j'ai retrouvé l'absence sous mes semelles. Jamais Wi-Fi. Voilà, le son il est où, mon blé? Ce jour de paye, pas c'est l'eau. Quoi, t'essayes de me la faire à l'envers, je vois que t'es pas avec Joe. Voilà, le mec, il est. Je sais pas, il est sous toutes les drogues du monde en un coup, ce gars. Lunettes de soleil, même la nuit. Serious blind style, petite pute, casse-toi, t'es qu'une passoire. Je titube ma foi lorsque j'illustre ma soif. J'ai dû m'asseoir pour oublier. Je mets du mask-off pour oublier. Je balance des malwares sur le réseau, virus Wi-Fi. Frère, j'ai marché sur ton flow. Jesus Christ style, Jesus Christ style. Bon, on a la réponse en tout cas. Je pense que même Sirius, il cartonne à la ganja. Alors, sacré délire. Parce que là, justement, je parlais de tout ce qui est personnalité, tout ça. Là, Sirius, il a un vrai bail, les gars. Ah non, mais... ce gars est ouf. Il a un vrai délire dans le sens où il a cette mimique, enfin ses gimmicks et tout, même quand il pose. Quand j'ai dit, voilà, on dirait Swagman et tout. Bon, même si on se foutait beaucoup de la gueule de Swagman à l'époque. Voilà, c'était une manière, c'était... Tu viens apporter aussi autre chose, hein, tu poses pas comme tout le monde. Après, bon, il y en a, c'est René, voilà, comme Swagman. Bon, bref. Et là, Virus, franchement, en plus, je kiffe parce qu'il a un vrai flow. Même le refrain, les gars. Le flow du refrain, je le kiffe de ouf. Et il reste grave en tête. Bon, après, c'est vrai que la prod l'aide beaucoup. Et pareil, voilà, dans la thématique, dans l'écriture, là, c'est vrai que, bon, il parlait un peu de religion et tout. Même l'extrait de fin, d'ailleurs, je sais pas c'est de quel film et tout, s'il y en a qui savent. N'hésitez pas à dire en commentaire, comme d'hab. Mais ce son est très très bon. Limite, là, tu vois, franchement. J'ai envie de dire, c'est mon petit son coup de cœur. Alors pourtant, hein, frère, je pense que... Je sais pas, moi je trouve ça hyper chelou comment il pose, comment le son est fait et tout. Mais je sais pas, j'aime bien son délire au final. On enchaîne avec Vadala, donc de Houses. Ah, il y a des vrais blasts dans Échelon quand même. Ah ouais. Ah là, on est en te bois. C'est quoi, c'est un DJ ça? C'est quoi ça? C'est David Guetta là? En fait, je crois qu'il y a personne qui va poser. Ça va être juste un DJ, quoi. Eh, les gars, j'ai envie de me faire un kiff. Matez si ça colle ou pas. The Mario. The Fall. Bienvenue en Sunshine. The Mario. Avec Echelon volume 2. Lego. Echelon. C'est la meilleure promo de ta vie, Val, là. Alors, Vadala, voilà, bon, très bon texte, hein. Ah ouais, non, franchement, rap conscient, tout ça, on a... Bon, bah, plus sérieusement. Alors, voilà, là, c'était plus un délire techno, un délire un peu DJ et tout ça. Alors, pour une transition dans un projet, pourquoi pas? Parce que ça fait un peu, voilà, parce que c'est le 5e son de la tracklist, qui a 10 sons, je le rappelle. Donc, peut-être que, voilà, c'est une petite transition pour aller, on va dire, partir dans des délires peut-être plus ambiançants, je ne sais pas. C'est vrai que le début du projet est un peu sombre. Mais voilà, c'était une bonne transition, j'ai kiffé. Le 6e son, c'est Mouchou. Mouchou, donc de Vald. Deuxième son solo, oui, deuxième son de... vous voyez, là, je me suis endormi là pendant deux secondes. Si je suis en train, j'ai été ébloui par au nom de princesse. C'est de la drille. Les nouveaux protocoles, tu connais le process. Une gauche, une droite, je les rentre en baguette. Et je fais même pas genre, je maîtrise le Mouchou. Non, je crache le feu quand je veux comme Mouchou. Il y avait, il y a eu une petite dédicace pour Jules, parce que Barbie Girl sur l'album Emotion. Tous les jours je me tue comme si j'ai deux vies. 6-0 au moins dans toutes les devises. Je peux pas s'empêcher de rire à la folie avec Valkyrie. Elle m'envoie des stories, elle pense à moi jusqu'au lit. Mais camisole artificielle polie. Mais je reste dans ma bulle, c'est déjà une jolie sphère comme à l'alcoolie. Je soulève la palme, j'ouvre mes chakras. Hey, je voulais que ça marche là, je voudrais l'asseoir. Hey, obscur point comme Jaffa, je plaque pas. Hey, Sullivan, l'agriculteur, j'avoine. Hey, merci complet, plein qui presse. Non, entre toi et moi, y'a que moi qui se dresse. 93, tu connais l'adresse. Mais j'ai ses pères, j'ai changé d'adresse. J'ai pas besoin d'être là, je suis déjà dans la presse. Hey, je suis un peu absent, un peu dans la presse. Et je fais même pas genre, je maîtrise le rouge.
Ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas capté déjà, Mushu, c'est un personnage qu'il y a dans Mulan, hein, tu sais, le petit dragon, c'est pour ça qu'il dit dans le son, comme Mushu, voilà, je crache du feu, tout ça, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu la ref. Il y a eu pas mal en plus, enfin, il y a eu un peu une thématique Disney, enfin, à un moment donné, on a entendu Mufasa, tout ça, enfin, voilà, pourquoi pas. Non, un très très bon son, bon, comme vous avez pu le capter, c'est de la drill, donc voilà, c'est voilà, le type de son qu'on entend beaucoup beaucoup en ce moment. Là, c'est le premier son drill, en tout cas, qu'il y a dans ce projet, donc ça va, bah, on n'est pas... Ça va, on n'est pas saoulé là, mais non, c'est un son, bah encore type Vald. Bon, on est toujours dans la sombritude, parce que voilà, c'est on n'est pas dans une grande gaieté, hein, dans ce projet. Et là, c'est encore une thématique à la Vald, quoi. Le mec, il part dans tous les sens, il fait des rêves vraiment un peu de tout. Il y a un délire sur Jul, il y a un truc sur Jaja, il y a un truc, voilà, sur les Disney. Enfin, voilà, on part un peu dans tous les sens, c'est vrai. Mais on reste vraiment dans le délire un peu pas du ridicule, mais un peu aussi de l'absurde. C'est-à-dire, voilà, les punchlines un peu, entre guillemets, pas facile, mais des punchlines un peu drôles, un peu rigolotes, tout ça. Et voilà, moi je kiffe ce délire là, je kiffe, parce que perso dans cette thématique là, dans ce délire là, il y a que Vald qui est très très fort. Il y en a qui tentent ça mais qui ont peut-être moins de flow et qui, bah, pour qui ça tombe à l'eau, tu vois. Et Vald est très très bon là dedans voilà, après je veux pas en mentir, c'est pas le meilleur son de Vald, hein. Et après, à choisir entre Échelon 2 et Mushu, bon, c'est vrai que c'est deux sons complètement différents, mais je préfère le délire par exemple de Échelon 2 où il a été en solo. Voilà, moi je il est très très fort, et en plus il a encore une meilleure écriture dans ce type de son là sans refrain. Donc voilà, il est pas mal ce son, mais c'est pas non plus le son de l'année, c'est pas le son de Vald, voilà, c'est... Il est pas, il passe quoi. On enchaîne avec le 7ème son de cette tracklist qui s'appelle Vibe par l'artiste Kaiju. Voilà, j'espère que je le dis bien. On dirait un Pokémon, mais ça fait plaisir. Baby kiffe ma vibe, j'ai la fox sans éteindre la live. Elle veut qu'on s'en aille au milieu d'un grand ciel étoilé. Il est très très chaud lui. Baby kiffe ma vibe, j'ai la fox sans éteindre la live. Elle veut qu'on s'en aille. Je kiffe sa voix lui. Là c'est mystique mais on se les fait stanner. Encore un stick et j'arrête pas de planer. Relation toxique qui m'ont fait douter de moi-même. Connais la suite, bientôt ils vont disparaître. Dès que j'ai l'astuce, je les vois, ils font ouais, le flow. Il faut décrocher, je roule avec ma biche. Dois toucher le ciel sans perdre mon temps. Sur le terrain, on sait où se placer. Dans les poches de la drogue en sachet. Pour réparer nos petits cœurs cassés. Baby kiffe ma vibe. J'ai la fox sans éteindre la life. Voilà, il est très très fort. Veut qu'on s'en aille. Très très fort. Au milieu de la console, la frappe, non qu'on sent plus les doutes. Je vois pourquoi tu me souhaiterais pas d'être devant. Je sais que tu voudrais m'avoir, mais tu n'as pas le cran. De la drogue dans la pocket, je rejoins le camp. Elle veut fuck avec moi, elle veut prendre mon temps. Eh ben, alors frère, ouais, j'ai dit que c'est un Pokémon, voilà, c'est un Pokémon, mais je crois à évolution de ouf, là. Mais très 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 bonne découverte, très très bonne voix, le gars, il est hyper fort niveau mélo. Ah ouais, non, ça c'est le meilleur son mélo. Ah, j'avoue, désolé, Suicon Blazadé, mais voilà, il t'a fumé, là, sur la mélo. Ah, il est très très bon, et en plus, j'ai l'impression, bon, il y a un peu de vocodeur autotune léger, mais ça se voit que c'est un mec qui sait chanter. Et ça me fait penser un peu au délire, on va dire, dans la thématique, hein, les délires un peu joker, tu sais, les sons un peu où le mec, tu vois, il chante pas vraiment, mais tu sais, il chantonne, on dirait il chuchote, tu vois. Et moi, ça me fait penser un peu à Joker. Donc là, limite, Kaiju, s'il fait des projets, on va dire, entre 8 et 12 sons, voilà, autour de l'amour, autour des meufs et tout, j'ai juré, lui, il peut cartonner. Voilà, moi, je donne mon avis. Bien sûr, si tu te lances là-dedans, voilà, un petit pourcentage, frérot. D'ailleurs, c'est un des sons les moins sombres, hein, parce que je trouve qu'il est pas si sombre que ça, ce son-là. Même si la prod, voilà, c'est pas non plus une prod... c'est pas une prod où on va s'ambiancer. Mais je trouve, avec la vibe et la positive attitude, même, je trouve, qui vient apporter là-dedans... Ouais, je sais pas, j'aime bien. Allez, on enchaîne avec le son Talkie de Linton. Bon, on est parti, hein. Un jour, je prends la caisse, me barre dans le nord du monde. Oh, Seven, no qui comme le bond. Rivière de malheur, je vais bâtir le pont. Je t'ai vu dans le bon, j'ai éclairci le ton. Ça, c'est poète, puis dans Cayenne. Tu sens maillé, faut s'asseoir en tailleur. Pas le temps de bailler, bientôt bien là, ça y est. Le bonheur vaut rien si je peux le trouver ailleurs. Bien sûr que tu passes après le son, c'est mon bail. Être là pour la mif, après tout, c'est mon taf. Faut la paix dans la plaine, après toutes ces montagnes. Douleur que j'ai causé, que je coupe au montage. Souvent, c'est fou comme l'info du motard. Je revois les mains vides quand j'ai passé mon terre. J'ai peut-être du talent, faut que je le pète à l'occasion.
J't'ai matré mal comme si j'étais déter. Boy, voyez le mal, fumé 10 000 roquettes. Plein de naïveté que j'ai très vite troqué. Comme de la méfiance, les choses dont j'ai conscience. Fuck, plus de batterie, les os cassés. Les batteries, les os placés. Les batteries, les hauts placés. À Paris, j'veux trop brasser. Famille d'immigrés, j'm'en tape de la France. Ma grand-mère a vu époque noire comme ses pieds. S'il sera dehors, serai fier de la prendre. J'te montrerai leur mort si je priais. J'verra all night en pensant à briller. Crois-moi que mon refrain m'héberge. Faut que j'perra all night. J'écoute un all eyes on me. Je parlais franchement, vis et bullseye dans le mille. Vive sans maillet, faut s'asseoir comme un sage. Le bonheur vaut quoi si je peux le trouver dans le cash. Que dalle dans le tiroir, une baisse des petits rois. Esprit divise, j'étais ma chimère dans miroir, boy. Fuette, haute part, effacer le code barre. Je reste low-key, pour être fidèle au cas. J'suis bien trop dead pour qu'on se pète à l'occasion. Y'a très peu de gens à qui j'aime parler. Faut que vos conversations qui s'applaudissent. Ça m'intéresse pas, j'fais mon autiste. J'ai quand même peur de ce que les autres disent. Mais c'était noir, je me réveille. Longtemps que j'attendais ma plaie. Longtemps que j'ai pas vu la télé. Tellement là dans mon reflet. Et si j'ai taille, je ramène mes dailles pour mon reflet. Alors, le son talkie de Linton. Là, on est reparti sur un délire old school. Là, franchement, ouais, c'est parce que c'était une instru, ouais, type old school, c'était du boom tap, hein. Et, franchement, là, ça fait plaisir aussi d'entendre encore ce type de son aujourd'hui. Parce que c'est vrai que ce type de son, tu l'entends plus du tout. Ou alors tu vas rechercher des gars mais qui font pas de vue quoi. Et ça c'est bien triste. Parce que là niveau texte c'est très très bon. Je pense que c'est peut-être le plus beau texte de ce projet pour le moment. Et je trouve que Linton a aussi un délire dans la voix. Je trouve qu'il a un charisme, il a quelque chose. Et là ça fait plaisir d'entendre deux artistes qui, on va dire, hein, se décrochent un peu plus du délire de Vald. C'est-à-dire voilà, ils sont pas, on va dire, en mode copier-coller de Vald niveau flow et surtout niveau thématique. Et moi là ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir écouté vraiment ces deux artistes là, parce que voilà, même s'ils font partie de Echelon, ils font pas du Val. Mais pour revenir du coup à ce son Tolkien, hein, franchement, il est très très grosse prod. Oh là là, le délire piano et tout. Ah, franchement, je kiffe ce genre de prod. Vraiment, ça me fait plaisir aussi d'entendre ce type de son. Et non, pour l'instant, franchement, la Tolkien et Vibe, hein, donc le son aussi de Kaiju, franchement, c'est les deux sons par son en coup de cœur vraiment de ouf là. On enchaîne avec l'avant-dernier son de ce projet Echelon Volume 2 qui s'appelle 160. Et l'artiste en question, c'est Pain RCC. Il va falloir m'expliquer les blases quand même. Debout, même à genoux, devant miroir, discussion avec mon genou. 2000 dans ma tête, les prises sont deadstone. Le ventre est vide, ma maman, j'assoule. Oh, c'est de la nuit, ça. Ils se mettent à crever de ta soupec. 160 mg de caféine dans le sang. Je kenne la pote comme manier qui je la laisse en sang. Tout pour mes frères, c'est ma force, c'est mon sang. Je dois plus décrader, je vais pas guérir autant. Problème d'état, je peux te piquer en souriant. Besoin d'Ice Arca pour calmer mon côté létal. Pété doser, on trouve voir que devient pays natal. Seul dans la fosse des Mariannes, indépendant comme fils et Ariane. Pétage, je t'abandonne comme Ariane. Jamais j'ai eu confiance en Marianne. Merci pour plus envoyer. 20, 2, 1, jamais eu de complice. On va percer, j'ai la notice. Oh, j'aime bien cette phrase. 20, 2, 1, jamais eu de complice. On va percer, j'ai la notice, toi. Tu finiras pour qui? 20, 2, 1, jamais eu de complice. On va percer, j'ai la notice, toi. Tu finiras pour qui? Ok. Bon voilà, c'est de la pure drill les gars, pure drill, banger, sombre. Voilà, on est sur du son actuel, du son tendance. Alors Pain RCC, bon ça va, il a quelque chose dans la voix, j'aime bien le délire. Il a un flow, ça va aussi. Mais après, bon, je suis toujours honnête les gars, avec tous les sons drill qu'on entend, qu'on a l'habitude d'écouter en ce moment, c'est vrai que maintenant pour un truc qui nous choque, il faut vraiment envoyer du lourd de chez lourd. Il a choisi plus un flow limite en mode trap, c'est-à-dire que bon, c'est pas du gros kickage, il pose vraiment avec sa voix, voilà, il s'impose sur le beat, mais c'est pas du vrai kickage, c'est pas, il découpe pas la prod non plus, y a pas des grosses punch, voilà, j'en ai réagi à quelques-unes, mais c'est pas non plus des grosses punch en veux-tu en voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus voilà, en tout cas, j'avoue que c'est pas le son non plus que je vais retenir de ce projet. On continue avec le son Aventador de CZ qui est le dernier son de Echelon Volume 2. Ah, c'est une prod asiatique ça. Y'a personne qui pose ou quoi là? Attends, c'est énorme! Y'a personne qui pose là! Ok, bah on va kicker alors! Ok, on va poser. Vas-y. Qui fait ça? Qui dans des vidéos réactions pose un freestyle? Qui? Quand on n'aime pas, on ne compte pas, pourtant se retrouvera dans l'un de ces quatre. Chier à tout terrain, mon flow est un 4-4, ta carrette est si longue que 4-4-4. Tu parles de fierté, deux secondes après, tu te retrouves à quatre pattes. Tu parles de ton dernier tube, ouais ça date. La vérité sort de la bouche des gens rabattent.
Le talent me suit, il me rattrape. La concu bégaye, l'orthophonie s'est passée à la trappe. Tu critiques les trois quarts des rappeurs qui ne rappent plus, pourtant t'es passé à la trappe. J'ai beau avoir un flow, je les mets à sec. Les propositions vont commencer à se tasser, je les mets sur le tech. Ta KR tourne ralenti comme une baston de sa deck. Ta meuf se fait soulever pendant que tu taffes tes pecs. HP petit collègue. Ok, on est parti en couille. Non, mais j'avoue, on est parti en couille. Excuse-moi, Ray. Non, alors, dernier son. Alors, il n'y a personne qui pose dessus. C'est juste une prod. Franchement, échelon volume 2. Niveau branlette, on est au top quand même. Non, mais qui peut faire ça? Franchement, c'est, je trouve ça ouf. Bref, non, franchement, très très bonne prod, les gars. Moi, j'attendais que ça kick, que ça rappe. En fait, pas du tout. Bah, une prod, du coup, type asiatique, comme j'ai dit. Je sais pas si c'est pas du, je sais pas, du violon, enfin, de la guitare, je sais pas, mais c'est, tu vois, t'as grillé le bail ou pas? Donc voilà, franchement, très très bonne prod, et c'est dommage qu'il y ait personne qui ait voulu poser, quoi. Sinon, du coup, mon avis sur ce projet Échelon Volume 2, alors j'ai déjà écouté le Échelon Volume 1, donc je vais un peu le comparer. Là, sur ce Échelon Volume 2, on est vraiment sur le du délire très très brosson, rien qu'à l'image du premier son qui est Échelon 2 de Vald, où, voilà, déjà, il n'y a pas de refrain. On est vraiment dans un délire à la Journal Perso, on est, voilà, on est dans de la sombritude. On a eu un peu, un petit coup d'éclairage, hein, avec le son, du coup, c'est Vadala, le son un peu DJ là, électro, quoi. On va dire que met son coup de cœur, vraiment, le son de Kaiju avec le son Vibe et le son Talky de Linton, franchement, qui sont en plus de sons complètement différents, mais que j'ai bien aimé, en tout cas, leur univers, là, ce qu'ils ont voulu amener, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui posent, hein, dans ce projet Échelon, c'est vrai que, bon, il se cale un peu par rapport à ce que fait déjà Vald. C'est-à-dire que c'est un peu la même thématique, c'est un peu le même style, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, du coup, on a du Vald version Wish, quoi. Alors que là, avec Linton et Kaiju, franchement, c'est complètement différent. C'est pour ça que j'ai bien aimé leur délire, leur univers. Même si c'est avec Sirius aussi, il a un délire à la Swagman, mais qui est encore plus parti en Yoku. Je pensais pas dire ça un jour. Donc, le projet, on va dire, est semi-validé. Voilà, il est semi-validé. Parce que, bien sûr, j'ai déjà écouté largement mieux. Et puis, j'avoue que je préfère même limite le volume 1. Donc voilà, Échelon volume 2, semi-validé. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un maximum de likes. Comme d'habitude, les frérots, lâchez un maximum de likes. Et aussi, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner en activant cette petite cloche. Eh ouais, les gars, parce qu'il y en a beaucoup, là, ils passent comme ça, ils s'abonnent pas, et en plus, ils activent pas la cloche quand ils s'abonnent. C'est quoi le délire? Donc voilà, vous faites ça, et bien sûr, n'hésitez pas aussi à donner vos avis en commentaire sur ce projet, et à donner le son que vous avez préféré en commentaire. Voilà, donnez le son que vous avez préféré en commentaire, là, juste sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre à travers les réseaux sociaux, et n'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne HPP Music avec le dernier clip en featuring avec Tev qui est sorti, le son Attends. Et il y a encore d'autres surprises là qui arrivent. Ah, sois à l'affût, frérot. Bref, c'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse, et bien sûr, je vous fais la fucking bills. Jambes offensives comme un gars de gaz, je suis explosif comme un putain de C4. Quand je pose, c'est carré, c'est impeccable. Je pose depuis peu, c'est respectable. Je tiens à mes comptes et ce ne sont pas des femmes. Je fais partie de quel team, ceux qui font les rondes, les deux sous table. Je suis le 109.